Ouais, ben c'est un beau petit coin. Mais il fait un peu chaud, tu sais, pogné entre les montagnes là, puis les épinettes, ils vendent pas bien bien. Ça fait que on transpire. Mais tu sais, ça se fait bien, là. Le chemin il est un peu rocailleux. Mais c'est accessible en tout cas à date là, à la plupart du monde. Là. Mais c'est difficile, j'ai l'impression, un petit peu plus loin. À cause de l'inclinaison, puis aussi, veux pas, avec l'inclinaison, s'il y a de la longueur un peu, ça vient tough. Ça fait que là, pour tout de suite, ça va bien. Là, on s'hydrate tranquillement, je cours pas non plus. Là, c'est le fun. Je suis parti un petit peu plus tard que les autres. Là, ça fait que je les ai laissé prendre un petit peu d'avance, un bon 5 minutes. Ça fait que je suis comme tout seul, il n'y a personne en avant, personne en arrière. C'est chill. Ça fait que on continue à en profiter. Je vois un petit peu de neige et là, c'est plaisant, ça fait beau, c'est propre. Fait qu'on continue à marcher. Dans le fond, ça se fait super bien pour, tu sais ce que c'est là, c'est quand même le deuxième plus haut mont dans l'est du Canada. Pour m'être tapé comme le mont Albert d'après moi, là, ça c'est le plus tough quand tu fais le tour là. Puis dans mon coin, là, le mont Ham, là, la dernière partie est vraiment tough, puis ça, c'est pas sûr, là, ça se fait super bien. Puis aussi le mont Saint-Joseph à Mégantic, ça donne un tough aussi. Pour ceux qui veulent un vrai challenge, là, ceux qui descendent dans le canton de l'Est, là, ces deux monts-là. Surtout le mont Saint-Joseph, on dirait que quand ça commence, ça n'arrête plus, là, jusqu'en haut. Là, c'est vraiment du gros cardio, c'est dur, c'est mollet. Puis le mont Ham pour la vue, puis en même temps... La dernière petite bout, là, il est tough. Là. Ça fait que c'est sûr que c'est familial, là, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on prend de l'âge. Bon, un choix s'impose. À gauche ou à droite? Hey, c'est clair qu'au mois de juillet, on va à droite.
là, je viens d'avoir un caribou aux affaires qu'on voit pas souvent, ça. Il était loin, là, il était sur la crête, là, mais clairement visible, un beau gros caribou, avec des gros poids. Ouais, faut que je regarde où c'est que je marche, hein. Il y a de la roche. Ouais, ben, ça se fait super bien, là, l'on redescend. Apparemment que ça prend 2 heures à descendre, mais ça a été pas mal moins long à monter. Fait que d'après moi, ça va être encore moins long à descendre. Puis, c'est familial. J'ai croisé des enfants, des personnes âgées, puis il y a dénivelé là quand même. C'est facile. Fait que c'est à voir. Il faut venir, par milliers. Venez donc par milliers. Fait que pour ceux qui ont aimé cette petite vidéo-là, ben, un petit pouce. On partage et on s'abonne.